Salut à tous, j'ai remarqué en fait que la vidéo qui marchait le mieux sur ma chaîne YouTube, c'était la vidéo où je vous montre mon appartement. C'était à l'époque quand il n'était pas encore totalement terminé. Aujourd'hui j'ai tout fini, enfin plus ou moins il me manque encore un tapis. Du coup ben, je vais vous montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui, 3 ans après. C'est parti. C'est plus de cheddar. Garder le contrôle, t'es à les Jedi. Envoyer du fire comme Jedi. Pas besoin d'aller loin pour sentir le jet lag. On dit que le bonheur s'achète pas. Que le chétan choisit bien ses chetka. J'suis dans la salle du temps avec un jetpack. Donc en vrai, ça m'aide pas. À ressasser des 16 que je connais cœur pas. Mon inspinant, je l'ai pas trouvé terre pas. Né en levant les yeux au ciel, penser vers l'éternel. Mais tout ça se trouvait là en face de moi. Si le monde est devant toi, t'attends quoi, ma lugue? Retrouver des vrais sentiments, c'est ma reggae. Okay. Me battre pour désinstaller ce qu'ils ont mis en moi, cette putain de flemme qui fait que je pourrais me laisser mourir sans m'arrêter. La volonté. Alors il y a quelque chose que j'adore faire, qui est peut-être un peu bizarre, mais en fait j'adore prendre des photos dans les clips et les imprimer en grand, donc je vous montre. Vous voyez ici ASAP et Tyler the Creator, et là j'ai fait la même chose avec Mustapha the Poet, et je pense que je vais en faire d'autres, j'adore. Alors ça fait pas super longtemps que j'habite dans cet appartement, et je suis pas non plus Crésus, mais j'aime bien avoir des objets d'art ou des tableaux à mon échelle, donc je préfère acheter des vraies œuvres d'art pas trop chères plutôt que de prendre des choses chez Ikea. J'essaie d'avoir des pièces uniques, alors je vais vous montrer. Alors ça, c'est des cartes et de la sérigraphie que j'ai acheté à Berne. Ça a été réalisé par le collectif Blackyard, qui sont des illustrateurs à Berne. Ce tableau, c'est aussi une impression. J'ai acheté à Paris quand il y avait une exposition Brooklyn. Je sais pas quel artiste a fait cette impression. Ce tableau ici, c'est une amie de ma mère qui l'a fait. Ce tableau, je l'adore, c'est un tableau que j'ai acheté à Tulum au Mexique. On voit ici la signature de l'artiste, mais j'arrive pas à lire, je sais plus qui c'est, mais je pense... je sais plus, mais je l'ai acheté au Tulum Art Club. Ça ici, c'est une copie, c'est un vieux poster en fait qu'une amie a ramené, je crois, de Milan. J'ai une amie qui fait du mashup design, elle a un compte Instagram et du coup j'ai imprimé une de ses créations. Ici, c'est une ancienne collègue de travail qui a fait en fait un dessin pour moi avec des hashtags vu que je travaille dans les réseaux. Ça ici, c'est une carte des étoiles, on voit pas bien, The Night Sky, que j'ai acheté à Fitson. Et puis ce petit tableau ici, c'est un tableau qu'une amie de ma mère a fait. Je le trouve hyper joli, hyper délicat, je l'ai mis dans ma chambre. Et là, cette âme, c'est pas celle d'un autre. La force qu'elle peut contenir chaque jour, frérot, you don't know. L'ennemi se retrouve adouci comme le whisky dans l'eau. Mes portes de sortie vers un monde meilleur, frérot, je les download. Y'a un espoir tant qu'on avance, tant qu'il restera une pensée contraire à la dominante. Tant qu'on pourra s'élever spirituellement, échappant aux forces abominables qui nous aliènent et font qu'on consomme le drame comme un condiment. On me complimente, mais je suis qu'un con, moi, qui a eu l'audace.